Bon, le système international, dernièrement, il fait faillite. C'est un système ancien, un système qui a été conçu il y a presque un siècle. On ne se rend pas compte que le monde a changé, que les défis ont changé, que les instruments ont changé et que les mécanismes qui sont prévus actuellement n'arrivent pas à saisir et à donner des réponses concrètes à la nouvelle réalité. Et c'est pour cela que tout le monde réclame un changement, une rénovation, des réformes au système international. Mais ce qui vraiment frappe d'une façon urgente, c'est que l'environnement, le changement climatique, la lutte contre la faim, la pauvreté réclament tous les jours à notre porte. Et on ne peut pas regarder ailleurs parce que ça déclenche des crises, des conflits, des guerres, des souffrances. Et tout cela, il faut essayer de les éliminer et de les combattre. Très facile. Faire un dialogue réel. Je crois qu'il y a une double responsabilité. Évidemment, le monde académique a tendance à rester renfermé. On voit toujours les gens dans la bibliothèque, dans les laboratoires, dans la recherche. C'est un monde fermé et ils ont du mal, par nature de choses, à transmettre à d'autres acteurs publics, leur expérience, le savoir, les connaissances. Et le monde politique croit qu'il connaît tout. L'homme politique détient le pouvoir et quelquefois il n'écoute pas, il ne réfléchit pas, il ne sait pas s'engager avec d'autres acteurs. C'est pour cela qu'il faut faire un pas de chaque côté pour se rencontrer. Et le plus on engage ce dialogue, le mieux ça sera pour la société en général et pour les citoyens en particulier. Non, je ne crois pas qu'il soit dans la bonne voie. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a eu des sommets, il y a des réunions, il y a eu des déclarations, mais il n'y a aucune action réelle, efficace. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Il faut se mobiliser. Les citoyens du monde doivent exiger une responsabilité des hauts dirigeants politiques et je crois qu'on doit inscrire la sécurité alimentaire comme la priorité de grands sujets de sécurité. Le siècle qui a passé, le 20e siècle, était le siècle de la sécurité militaire. Faisons du 21e siècle le siècle de la sécurité alimentaire. Et je crois que c'est le défi qu'on devrait faire et qu'on devrait adopter au niveau politique par la majorité des chefs d'État et de gouvernement du monde.